même temps, c'est pas très objectif, hein. Maintenant que Doudou a terminé de colorier, on va construire son carioca girafe. Donc voilà, on va le construire tous les deux. Il a déjà colorié un hier, il a colorié le deuxième aujourd'hui. Donc voilà, maintenant on va construire tous les deux. J'attends qu'il finisse de ranger ses feutres dans le... C'est la même couleur qu'on fait. Ouais. Voilà. Et le jaune aussi. Donc, un bon moyen de se... régaler. De s'occuper, hein, en temps de confinement. Oui, quarantaine aussi, hein, pareil. De temps de confinement, donc on va... Ça, c'est le plan. Hop. On va utiliser... Voilà. D'abord, on va faire détruire. Voilà. Voilà le mien. Mais c'est Doudou qui a tout colorié. Tu montres le tien. Voilà, celui de Doudou. Donc, on va les sortir. Maintenant, tu le sors. Regarde, moi, je sors le mien. Regarde d'abord comment je fais. Tu essaies de pousser vers de l'arrière. Tu pousses sans le déchirer. On fait ensemble. On est obligé de trouver des solutions pour, voilà, pour s'occuper, hein, en ces temps de pandémie. Pandémie. Tu arrives, chérie? Oui. Bien. Hop. Et ce qui est bien, c'est que c'est numéroté. Ils sont numérotés, du coup, ça permet après de... C'est quel numéro? Le 1? Non. Le 1, c'est lequel? Le 1, c'est celui-là. Ok, ici, c'est le 1. Le 2, c'est lequel? Le 2, c'est celui-là. Le 3, c'est celui-là. Ok. Laisse-moi sortir le truc. Ok, maintenant, tu as tout ce qu'il faut. Tiens, je te laisse faire. Oui. Il faut que je m'assieds quelque part. Je vais chercher quelque chose. Le pouf-pouf à soi. Ça n'arrive pas. Comment ça, tu n'arrives pas? Puis de faire comme ça. Ça n'arrive pas. Ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux casser? Faire ça. Bah, pourquoi tu veux casser, Gideon? Et regarde. Oui. Faut casser. Explique-moi pourquoi tu veux casser. Ne dis pas juste regarde. Il faut m'expliquer pourquoi tu dois casser. Parce que moi je vois là, il n'y a pas besoin de casser, chérie. Hein. Il y a trois trous, il y a trois trucs à mettre. Donc c'est comme ça que tu les mets, non? Ah, ok, je comprends ce que tu veux dire. En fait, il faut... Hop. Je comprends ce que tu veux dire. Il faut l'arrondir. C'est ça que tu voulais dire? Oui. Oui, parce que les trous ne sont pas droits. Donc, il faut l'arrondir, le truc. Ben, dans ce cas, il faut le dire. Je ne savais pas. Moi, si ce n'est pas de ce côté qu'il faut le faire. Je ne sais rien. C'est de ce côté. Ok, c'est bon. Hein? C'est de quel côté qu'il faut le faire? Je regarde. C'est de quel côté qu'il faut arrondir? De ce côté, comme j'ai commencé là? Oui. Ces feutres-là, ça ressort, hein, ça me sort sur les doigts. Là. Non, pas comme ça. Ah, pas comme ça? Ok. Oui. Comme ça, plutôt. Ok, Gaïdan. Est-ce que c'est ça qu'il fallait faire? Oui. T'es sûr? Oui. Ok, allons-y. Ok. Oui.
Non, doucement, rentre un par un. Rentre d'abord un et tu rentres l'autre. Doucement, chérie. Sois pas pressée. Tu n'as pas la même capacité que maman. Donc, prends ton temps. Tu vois, là, ça se casse un peu parce que tu es trop pressée. Tu veux faire trop vite et voilà. Regarde. Hop, maman fait d'abord rentrer ça. Et ensuite, je fais rentrer l'autre. Et ensuite, je fais rentrer le troisième. Tu vois? Comme ça, pour que ça ne se casse pas. Et tu ne forces pas trop. Tu essaies de faire délicatement. Voilà. Hop. Maintenant, c'est lequel? Le 4, c'est ici. Le 5, c'est ici. Le 6, c'est ici. Et comment tu dois mettre ça? Le 4 et le 5. Mettre... Bah, trouve déjà le 4 et le 5. Trouve-moi les deux pièces du 4 et 5. J'ai trouvé. Et c'est de la même couleur, hein? Ok. Vas-y, continue. C'est la même couleur. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Regarde le plan. Il faut faire ça. Il faut faire comme ça, mais comment on le met? Est-ce que c'est ça? Regarde le plan. Est-ce que c'est ça? Regarde le plan. Est-ce que c'est ça? Ah oui, t'as raison. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais comment tu fais? Tu mets sur le deuxième. Très bien. Le troisième. Très bien, chérie. Tu te débrouilles bien. Maman est fière de toi. Je voulais pas faire le 3 parce que je voulais faire le 2. Maintenant que tu as fait ça, qu'est-ce que tu fais? Je mets sur ça. Gideon, tu t'es trompé, non? Tu t'es pas trompé? Mmh. Si, tu t'es trompé. Là, il faut mettre sur le deuxième et toi, tu as mis sur le premier. Là, il faut mettre sur le deuxième. Tu l'avais bien mis et tu l'as encore enlevé. Non, tu l'avais mis d'un côté. De l'autre côté, pourquoi tu n'as pas fait pareil? Mais non, c'est bon, vas-y. Qu'est-ce que tu fais, maman? Qu'est-ce que tu fais? Montre-moi d'abord ce que tu fais, s'il te plaît. J'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce que tu es censé faire là? Mettre ça. Donc tu mets d'abord là comme ça. Ok. Bon, mais attends. Ça ne se colle pas. Gideon, chérie, attends, je vais t'aider. Alors, ouais. Tu vois, là, ici, le deuxième, tu le mets. Tu vois, le deuxième, tu le mets là. T'as vu? C'est pour ça qu'il faut bien regarder le plan. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'il fallait mettre sur le deuxième, c'est très bien. Maintenant, on continue. Et après... Où est l'autre? Il est là. Hein? Il est là. Tu as fait un dessin dessus, j'ai vu. C'est mignon. Allez, tu retournes. Comment tu fais maintenant? Où? De mettre ici. T'es sûr? Mais regarde le modèle, je suis à 4. Regarde. Ok, vas-y. Bah dans ce cas, tu le retournes. Enlève et tu retournes. C'est pas bien. Bon, ce qui est top, c'est que tu pourras me faire ça plusieurs fois. Très bien. On continue? Oui. C'est quoi la suite? Montre-moi la suite. La suite, c'est celui-là. Ok, tu me le trouves? Oui, vas-y maintenant. Mets-le. Le 8. Donc, tu dois le mettre devant. Tu vas mettre un devant et un derrière. Oui. Le petit devant et le grand derrière, c'est ça? Oui. Ok. T'as besoin d'aide? Non. C'était ton milieu. Mets bien au milieu. Est-ce que tu as besoin d'aide? C'est bon. Non, c'est pas bon. Il faut bien regarder que ce soit équilibré. Je voulais dire la même thèse. C'est ça. Pourquoi ça, c'est plus bas que l'autre? Il y a un problème, non?
Il y a un problème, attends. Non, c'est pas un problème. T'es sûre qu'il n'y a pas un problème, chérie? Regarde. C'est tout en haut. C'est pas ce grand truc. Oui. Et c'est bien le petit qu'il fallait mettre devant ou bien c'est le grand? Je comprends pas, là. Parce que là, ça dépasse pas. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ah, ok. Parce il fallait mettre vers le bas. Celui-ci, il fallait le mettre vers le bas, comme ça. Oui. Il faut mettre vers le bas. Voilà. Attends, sinon c'est trop bas. Trop bas. Gaïdan, laisse-moi faire. Tu permets? Pourquoi tu dis Gaïdan? Oui, parce que c'est ton nom. Hein. C'est pas ton nom, c'est bien. Voilà, c'est mieux. C'est pour ça, je te dis, il faut bien regarder le plan. On a déjà fait le 6. Mmh. Le 7. Mmh. Maintenant, il faut faire le 7. Non, le 8. Ah oui, le 8, avant de passer au 9. Pardon, chérie. Montre-moi le plan du 8. Regarde là, quand tu as enlevé tout à l'heure, tu as trop forcé et ça s'est plié, ça s'est fragilisé. Regarde bien le plan. Comment tu le mets sur le plan? Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Quoi? Est-ce que c'est vraiment ça? Regarde sur le plan d'abord. Ok, vas-y, mets. D'accord. Et vas-y doucement, Doudou, sinon tu vas fragiliser ton truc. Hop, si tu as besoin d'aide. Regarde, tu vois, là où tu as forcé tout à l'heure en enlevant, ça s'est fragilisé. Du coup, il faut faire attention à ça. Maintenant, non, j'ai dit, on ne peut pas encore mettre parce qu'on n'a pas encore mis ces ici. Mais non, regarde, arrête pas nous, toi. Mais regarde. C'est comme ça? Oui. Ok, allons-y. Maintenant, on est au 9. Mmh. Je vais peut-être faire la suite. Maintenant, on va faire de quel côté? C'est beau. 4. Non, non, retourne-le. Est-ce que c'est comme ça, c'est ça? Oui. T'en es sûr? Oh non, mais regarde! Mais non, mais défais pas! Mais défais pas, maman! Ok, pardon. Mais vas-y, mets comme tu le sens. Oui, vas-y. Ensuite, mais non. C'est ça que tu devais mettre ici. Ça que tu devais mettre ici. Ça. Mmh. Et alors, c'est l'autre côté. Mais non. Attends, attends. C'est ça que tu dois mettre ici. Et ça, comme ça. Voilà, ça bouge là. On entourne ça comme ça. Maintenant, il ne me reste que ça. Il faut lever. Il faut lever. Il faut lever. Attends. Hop. Hop, ça, ça va là. Et ça, ça va ici. Tu sais pourquoi? Et il faut lever. Il faut lever. Mmh. Il faut lever le doigt. Pour mettre le reste, vas-y, oui. Je vais t'aider. Comment tu vas mettre ça? C'est où tu mets? C'est ça. Mmh, c'est où tu mets? Je mets dedans ça. Non, c'est pas dedans. Si, regarde. Non, c'est sur le côté que tu vas mettre. Ah, d'accord. Dedans. Je savais pas que c'était sur le côté. Bah, c'est pour ça, maman est là, pour t'aider.
de comprendre. Mais bientôt, tu pourras faire ces choses-là tout seul. Hein. Maman verra pour commander d'autres carioca pour que tu puisses les faire tout seul, compris? Oui. Voilà, c'est comme ça. Allez. La piscine. Alors, on peut sortir les autres feutres. Mais maintenant, tu peux sortir tes feutres et mettre dedans. Ils sont où? Je sais pas. Ah, ils sont ici. Il y en a 12. Je prends 6 par 6. Alors, moi, je vais t'aider pour que ça aille plus vite. Moi, j'en ai les petits par les petits et les grands par les grands. Tu vas mettre les grands ici alors et les petits là-bas, c'est ça? Oui. Là, 12 petits. Il y a 6 grands. Il y en a assez de place pour les petits? Oui. D'accord. J'ai dit il avait 12 petits. Il faut mettre un ensemble. Ah non, ça se retourne là. Alors... Bah, tu peux le mettre là, il y a de la place. On peut mettre. Tu peux mettre là, il y a de la place. Mais ok, vas-y, mets là, là, si tu veux. Mais là, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais, Doudou? Ah, tu veux mettre les. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Regarde, il y a de la place. Je n'ai pas vu. Ah oui, tu vois? Il y a assez de place pour tout. Alors, de ce côté, là, il y a des petits feutres. Et là, il faut encore 6. C'est pas grave. De ce côté, il y a des petits feutres. Et de l'autre côté, il y a des grands feutres. Donc voilà. Voilà le carioca de Doudou qui a été fait. Tu fais coucou? Tu dis merci? Au merci, au revoir. Et on espère que cela vous a inspiré. Voilà. Et on va faire un autre. On va faire d'autres choses, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tout de suite, on va aller faire à manger. On va manger et on va se reposer parce que maman va beaucoup mieux, mais maman est toujours encore convalescente. Donc maman va se reposer, d'accord? Maman, il a l'éléphant et le kangourou. Là, il a l'éléphant. Non, il n'y a plus. Voilà, c'est qu'on a acheté, il n'y a plus. Hein. Il a l'éléphant. Non, chérie, il n'y a plus, arrête. Il n'y a plus. Non, on ne fera plus rien. Il n'y a rien dedans, je viens de te dire. C'est qu'on a acheté, c'est l'éléphant. Oui, mais c'est les autres modèles. Non, c'était pas l'éléphant, c'était le girafe. C'était pas l'éléphant, c'était le girafe. Oui, j'ai compris. Et regarde. Bye bye, à bientôt. C'est la manière dont nous on s'occupe pour. Nous on s'occupe en ces temps de pandémie hein, à la maison. Et voilà, on fait des petites choses comme ça pour s'occuper. J'espère que ça vous donnera des idées pour pouvoir vous aussi vous occuper à la maison. Hein. C'est vraiment sympa. Vous voyez, il peut défaire et refaire. Et c'est vraiment top. On a trouvé ça chez Intermarché quand on y a été la dernière fois. Donc, une bonne chose de faite. Une bonne chose de fait, quand on y a été, les rayons étaient vides, mais au moins on a trouvé cette petite activité à faire tous les deux. Et regarde maman, voilà. Là, les...